Matin là, et moi présent là pour capable faire parler avec la presse concernant des cyclones qui frappent comme une Fonvérette. Et pourquoi en plus mon attendait tout Fonvérette pas la première fois qu'elle a frappé par inondation. 23 mai 2004, il était frappé par une grosse inondation qui était frappé comme une dévasté communément, mettez la zéro. Et je ne jour dis à là, cyclone ça qui s'est fait vendredi 2 pour 23 juin 2023 et le cyclone ça totalement crasé communément. Commune totalement crasé. Je veux dire là, on pourrait paysan, on perd bête, on pourrait mairie Fonvérette là. Donc sacrité pour l'aller en l'ipiti parce que déjà Blois déjà occupé espace là et l'école nationale là et grand ensemble des zones dans commune là, zone ça déjà aller déjà parce que Blois crasé business moun yo, moun ki dépôt, donc moun ça perd dépôt yo. Moun ki perd bête, moun ki perd jardin yo. Donc moi senti ça important pour le gouvernement de facto Ariel Henry et porter solidarité avec la population qui vit dans la commune Fonvérette. Donc nous avons un monde Fonvérette ou même. Exactement. Ça c'est Fonvérette. Combien de zones qui touchent dans Fonvérette actuellement? Donc il y a une section communale Forêt des Pins et Beaucheval. Qui habitation yo l'opre caso bonhomme et tout ensemble des zones et Soliette. Donc route tellement crasée, c'est-à-dire route ça qui pour prendre qui pour sortir faut pas arriver pour mener dans le département sud-est là. Par exemple la commune Fonvérette c'est route qui mène dans le département sud-est là. Là on passe Fonvérette on sortir de sorte Grand Gosier en sapite Belance. Donc moment pas facile même pour monde qui sortir en sapite Belance et Grand Gosier pour ta dire rentrer Port-au-Prince. Donc moi il est important pour que ministre de la République, Rosemont Pradel, pressé à porter solidarité avec la population Fonvérette, spécialement pour aller faire route ça, parce que moment très difficile. Si que l'État pas dégagé, répond à la revendication de la population Fonvérette, bon garantie Fonvérette, après Jean Lia, la Fonvérette a prêté aux communes abandonnées, et c'est une commune qui est très fertile, et c'est une commune qui fait l'État entre en pile comme, mais nous, l'État, chaque gouvernement qui monte, toujours abandonné Fonvérette. Donc, pas de gouvernement qui est pour monter, avec le gouvernement ça qui a rien dans la tête, il est là pour dégager. Pressé pour te solidarité avec la population haïtienne ça qui a subi en deux communes. Est-ce que il y a des gens qui mourent dans la zone Fonvérette? Exactement, je crois qu'il y a 3 cas, il y a 3 personnes qui mourent déjà. Mais plus gros problème qui gagne, c'est plus jardin mounio avec quelques dépôts mounio. Donc je vous dis que jeudi c'est samedi. Et jeudi samedi ça, on connaît qu'on a un gros marché dans la forêt des pins. Et bien pas qu'à marché je vous dis là par rapport à des saisons cycloniques ça, par rapport à des inondations qui dévastent communément. Donc qui mettent communément à genoux, je vous dis là. Est-ce que c'est une rivière qui passait, qui crasait? On va dire ça mon yogain ou du moins est-ce que quand est de l'eau ça aussi. Donc m'a dit bien pour mon qui connaît Fonvérette. Pour mon qui connaît Fonvérette comprendre ça m'a dit très bien. Fonvérette c'est une commune qui placée dans le département l'ouest là qui sous arrondissement par des bouquets. Fonvérette c'est une commune qui a en pile ravine. Bon, moi même pour calculer pas, je vais faire calcul gagner 9 ravines sans courant de l'eau par côté. C'est-à-dire que toutes les ravines sont descendues dans les inondations, toutes les ravines sont semblées, elles font celles de l'eau qui sont regroupées dans le centre de la ville. Donc, il y a une commune dans le problème. J'aime te dire, le 23 mai 2004, c'est si cyclone qui finit avec la commune Fonvérette. Donc, chaque jour, l'autorité a discuté de comment on peut le faire, mais on n'est pas jamais en fait. Je vais vous donner un message clair pour la population entendre bien. Il faut que la population ait questionné. Et ancien magistrat, je ne dis pas qu'il dit ancien magistrat, il dit magistrat intérimaire qui donc est Viola Gilles, qui c'est magistrat intérimaire. Donc, il y a un quoi qui était débloqué dans le mail pour être capable de faire ça, les gabions dans la commune, pour empêcher l'autre zone à risque pour les l'eau passer, pour être capable de freiner l'espace pour l'eau passer des zones. Eh bien, Viola Jean-Gilles prend comme ça, il n'y a pas fait gabion, il pille comme ça. Je veux dire, il est important. Après solidarité l'État après le petit bail population Fonvérette là, population Fonvérette là doit lever campé pour aller questionner magistrat Viola Gilles pour demander qui ça le fait avec COB qui était débloqué pour faire gabion dans la commune. Donc appel à aujourd'hui à se demander avec l'État spécialement ministre travaux publics là pour faire une intervention d'urgence à Fonvérette. C'est important, c'est ça qui est favorable pour la population Fonvérette là et dégager au bail aux routes parce que c'est route là qui est important. Pas oublier, Fonvérette c'est une commune qui a Haïti le tête là, qui population haïtienne dans commune Fonvérette là travaille. Commune sont commune qui très fertile, ok? Son commune qui baise zon yon, pomme de terre, chou, carotte, mais pas qu'elle produit en termes de légumes, son commune qui développe en pile. Donc, je crois que c'est favorable pour que vous pressez à la population Fonvérette en route et puis pour être capable de résoudre avec l'autre petit problème. Mais je vais vous un message à la population pour me dire, et tirez quoi yon dans l'espace côté de descendre, pour vous montrer, pour vous monter dans le monde côté qui gagne yon refuge, pour être capable de reposer. Non, nous connaissons heureusement Pradel qui est ministre de l'environnement et alors ministre de la République.
nous pas senti le depuis le dans gouvernement ça alors que il était toujours très farouche contre le président Jovenel Moïse. Soit pensez-vous même, pensez le travail résultat. Mais pas oublier, nous connaissons sous Jovenel Moïse t'a gagné Jean-Cyril Snader, qui était ministre de la République, mais juste dire là nous gagné Osmond Pradel. Comme nous quoi gouvernement, son gouvernement qui en faiblesse, son gouvernement de facto, son gouvernement qui pas de parler peuple qui l'a, donc mais quand même son ministre quand même, donc il faut qu'il fasse tout moyen possible pour comment être capable de porter solidarité à la population qui vit dans la commune de Fauvergette, qui est très vulnérable, qui est très à risque dans le moment ça. Mais la première fois, non, je ne vais pas demander à vous. Mais ce n'est pas la première fois qu'on va être victime, mais malgré ça, pas oublier, 23 mai 2004, nous avons gagné Alexandre Boniface, qui était président, qui était président provisoire, et tu as gagné ancien député Mathurin, ok? Donc, ancien président Alexandre Boniface et puis ancien député Mathurin, Mounsa Odoué Baye. Et la population haïtienne non réponse. Dis-yo qui ça va faire comme ça. Faut que l'ULCC a questionné Boniface Alexandre pour dire quoi qui t'a débloqué pour te reconstruire Fauvergette 23 mai 2004. Faut dire quoi comme ça a fait. Parce que je te montre, que Fauvergette est une commune qui est plus belle dans toute commune dans le département de l'Ouest. Et bien comme ça, jusqu'à présent, je dis que combien de millions de dollars qui t'a débloqué pour te reconstruire la commune. Et bien jusqu'à présent, la population, pourquoi j'aime voir qui côté comme ça a fait, qui côté l'aller, nous voulons qui côté à le mettre. Mais faut que la population Fauvergette et réponse. Et nous-mêmes, en tant que force résistance Fauvergette, au Foref, nous avons des jeunes qui sont dans la commune qui nous réservent la résistance Fauvergette pour continuer à les camper, mobiliser et pour être capable. Toujours accompagner la population haïtienne dans le moment cyclonique, dans le moment et vulnérabilité.